Tout d'abord, nous tenons à remercier tous les organisateurs de la conférence. Merci de nous avoir donné cette opportunité de partage et d'échange. Notre intervention est intitulée « Les ressources naturelles comme des biens communs, mode de gouvernance et perspectives de valorisation au sud tunisien ». Ce travail est préparé en collaboration par Rim Jemli, Nourish Tourou et Abdelhamid Barkawi, qui sont membres du projet Twinning Facts Forward ayant pour numéro de grant 857-269-H2020. Le plan de notre présentation est structuré en deux sections, la première desquelles traite des cadres d'analyse du mode de gouvernance du bien commun. Ainsi, nous revenons sur les origines du bien commun en sciences économiques, puis nous livrons une revue de la littérature de leurs différents modes de gouvernance. La deuxième section porte sur les perspectives de valorisation du bien commun au sud tunisien. Au début, nous signalons les grandes opportunités de gouvernance du patrimoine naturel dans cette région, puis nous recensons les perspectives de valorisation, préservation et communication qui sont fournies dans le cadre du projet Sfax Forward. Alors, commençons par le cadre d'analyse. Les origines des biens communs en sciences économiques remontent à l'approche normative de biens collectifs ou bien à la théorie néoclassique lorsque Adam Smith a défini deux critères permettant de définir les biens collectifs, à savoir le critère de non-rivalité dans la consommation et le critère de non-exclusion. En se basant sur ces deux critères, certains économistes vont aller plus loin jusqu'à la discrimination entre biens collectifs purs qui vérifient simultanément les deux critères et biens collectifs impurs dont l'un des critères fait défaut. À ce titre, un bien commun est considéré comme un bien collectif impur puisqu'il est non exclusif mais il est rival. En plus, les économistes considèrent que les biens communs représentent une source de défaillance du marché vu l'existence des externalités au sens de pire. À ce titre, Stiglitz 2000 considère que les biens collectifs ressemblent à des externalités de production ou de consommation. Et précisément en ce qui concerne les biens communs, ils sont considérés comme des externalités négatives de consommation, puisque épouser une ressource naturelle constitue une externalité négative et va poser des problèmes de rivalité entre les usagers. En cherchant à résoudre les problèmes liés aux biens communs, multiples modes de gouvernance ont été développés. Les premières propositions sont nées en réponse à la tragédie des biens communs de Erdin 1986. Ce dernier a alerté de la destruction des ressources naturelles en libre accès. En se basant sur deux exemples, le pâturage partagé et les temps de pêche, il a signalé que le libre usage du commun conduit à la ruine de tous. Hardin est le pionnier ayant posé la question des ressources naturelles épuisables, il a proposé deux modes de gouvernance qui sont des solutions basées sur le droit de propriété, à savoir la privatisation et la nationalisation. En outre, certains économistes inspirés de l'économie ont proposé un mode de gouvernance multiniveau qui permet de répondre aussi bien aux principes de justice que d'efficacité. En fait, l'économie est une branche de la gouvernance qui existait jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et qui consiste en la création par la société de ses propres concepts, modes de coopération et régimes de gouvernance pour concilier entre le bien-être et la préservation de la biosphère. Un autre modèle a été proposé dans le cadre de l'approche institutionnelle d'Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009. Ostrom considère que les biens communs peuvent être efficacement gérés par des associations d'usagers. Cette thèse est une critique des trois modèles de comportement collectif. Elle s'oppose aux deux préconisations, privatisation ou gestion par l'État, ainsi qu'aux règles imposées de l'extérieur. À l'opposé, Ostrom considère que les individus sont aptes à se tout organiser. Elle propose un nouveau mode de gouvernance, à savoir l'auto-organisation de l'action collective. Les travaux d'Ostrom depuis les années 90 recommandent des formes de propriété collective pour mieux gérer les systèmes de ressources naturelles ou CPR. Elle a été mobilisée en 2009 parce qu'elle a pu édifier un nouveau cadre théorique de l'action collective organisée. Elle a mis en exergue la nécessité de recherche pluridisciplinaire sur le bien commun. Les traits marquants du mode de gouvernance proposé par Ostrom sont premièrement la démarche inductive, puisqu'il s'agit d'un courant réaliste qui remet en cause les prévisions. Deuxièmement, la nouvelle dichotomie des biens et la réfutation du système simple. En effet, Ostrom adopte trois catégories de biens, public, privé et collectif au commun. Elle plaide pour l'efficacité de l'action collective et elle refute le système simple de régulation par le marché, par l'État. Troisièmement, le pluralisme du mode de gouvernance dans une perspective démocratique. En effet, Ostrom encourage l'engagement des citoyens dans la gouvernance du bien commun. Elle lance l'initiative solidaire pour ne pas exclure aucun nouveau et par la suite, son mode s'inscrit dans une vision démocratique qui vise à l'inclusion du citoyen et de la société civile dans l'espace public. D'autres modes de gouvernance ont été développés suite à l'émergence de la notion des biens publics mondiaux, que sont des biens dont les conséquences dépassent largement les frontières géographiques d'un seul pays. L'environnement occupe le premier rang des biens publics mondiaux, notamment avec l'intensification des risques environnementaux globaux.
D'ailleurs, le programme des Nations Unies pour le développement classifie les biens publics mondiaux naturels comme une première catégorie qui englobe l'environnement et l'ensemble des ressources naturelles. Les principaux problèmes de cette catégorie sont la surutilisation et les externalités négatives. Les modes de gouvernance des biens publics mondiaux se basent sur la coopération internationale. En fait, vu leurs aspects universels et intergénérationnels, leur gouvernance s'inscrit dans une vision maximaliste de la coopération internationale. Les biens publics mondiaux sont admis comme des patrimoines communs et universels et leur gestion se base sur la mobilisation et la concertation des acteurs publics, de la société civile et des secteurs privés. Pour mieux les gérer, les États peuvent recourir à des mécanismes comme les institutions internationales et les accords internationaux. Passons maintenant à notre deuxième section qui représente notre étude empirique et le travail réalisé dans le cadre du projet Space Forward, dont l'intitulé complet et patrimoine culturel du Sud tunisien, approche interdisciplinaire et participative pour une société inclusive. Space Forward est un projet de jumelage H20. C'est un projet collaboratif d'excellence en sciences humaines et sociales. Il est géré par un consortium de 4 partenaires, la Maison du Maghreb des sciences de l'homme de l'Université de Sfax, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme de l'Université d'Aix-Marseille, la Maison des sciences de l'homme et de la Société de l'Université de Nice et la Maison des sciences de l'homme de l'Université libre de Bruxelles. Le projet court sur une période d'exécution de 36 mois. Le projet Sfax Forward porte sur le patrimoine matériel et immatériel et il vise à ce que les gens puissent apprendre à chérir leur patrimoine culturel. Le projet nous offre de grandes opportunités de gouvernance du patrimoine naturel au Sud tunisien. D'ailleurs, l'environnement est l'un des axes principaux de recherche du projet Sfax Forward, à côté de 3 autres axes, le patrimoine culturel, la migration, les institutions et la société civile. Le site de la Tunisie est le territoire laboratoire du projet. Cette région se distingue par ses ressources naturelles. En outre, il y a de fortes interactions entre son environnement naturel et les 3 autres axes de recherche du projet. L'objectif de notre travail est de repérer, identifier et faire accepter le patrimoine culturel comme du bien commun. Or, il y a toute une panoplie de biens naturels communs à repérer et à valoriser dans les 3 zones représentatives du sud tunisien. Il y a le patrimoine pastoral, le patrimoine architectural saharien, le patrimoine oisien, le patrimoine salin, le patrimoine naval ou encore les techniques de pêche et enfin le patrimoine minier à travers les ressources minières en phosphate. Dans le cadre des perspectives de valorisation et de préservation de ce patrimoine naturel, nous pouvons dire que la gouvernance des ressources naturelles s'inscrit bien dans une logique de développement durable et pour la réussir, il faut faire agir et mobiliser une société inclusive. Cette idée est déjà en harmonie avec les recommandations de l'économie sociale et solidaire, de la gouvernance participative et multinouveau et de la gouvernance positive, citoyenne et démocratique. Notre perspective de valorisation ou encore d'économie du patrimoine consiste d'une part en la mise en place d'une nouvelle discipline en sciences sociales par le lancement de la première thèse de doctorat en quotidien en économie du patrimoine entre l'Université de Sfax et l'Université de Bruxelles. D'autre part, en la collecte de données multidisciplinaires, bibliographiques et à proximité via des caravanes itinérantes, ce travail permet de mieux analyser et interpréter les données socio-économiques. Le travail des caravanes est interactif et doublement bénéfique. D'une part, il permet d'établir des relations et d'autre part, il permet de collecter les connaissances et les informations et de diffuser les résultats et les productions de Sfax Forward. Notre perspective de préservation et de communication consiste en la création de l'Observatoire Sud Tunisien qui est l'un des principaux livrables du projet et dont ses objectifs répondent bien à l'approche interdisciplinaire et territoriale, à la collaboration avec la société civile et à l'orientation de préservation et de promotion du bien commun. L'Observatoire vise d'être une entité pérenne par la création d'un poste permanent à l'Université de Sfax pour superviser les activités sur le patrimoine du Sud. Pour conclure, en premier lieu, nous pouvons dire qu'une meilleure gouvernance des ressources naturelles est en faveur du développement durable. En fait, la gouvernance du patrimoine naturel participe à l'enrichissement du patrimoine culturel, à la création de sources de revenus et à la protection de l'environnement. En deuxième lieu, notre étude conforte les constatations théoriques sur les avantages d'une gouvernance collaborative et participative des ressources naturelles. Cette gouvernance, en favorisant l'implication de différents acteurs, crée une société inclusive plus engagée à protéger ses ressources. Cet engagement permet de promouvoir la gouvernance et la pérennité et aura donc un effet de retour positif consolidant davantage la gouvernance participative. Enfin, nous vous remercions pour votre attention.